quand j'ai créé Pickwick, je voulais qu'on fasse quelque chose d'innovant, quelque chose qui n'existait pas. Et qu'on s'amuse en permanence à inventer des nouvelles choses. Pendant l'année où j'ai créé Pickwick, le Concorde a eu l'autorisation d'aller à New York. Au même moment, on a ouvert le centre Pompidou, ce qui a aussi été un grand événement parce que les gens trouvaient ce truc un peu bizarre. L'ambiance 77, bon, c'était assez particulier parce qu'on était en même temps à la période de la guerre froide. Il y avait le mur des pays de l'Est et en même temps, à la télé, il y avait l'île aux enfants, la fameuse île aux enfants, c'était le grand succès de l'époque. Donc la France était un peu sur son nuage, quoi, hein, dans un monde qui était très perturbé autour de nous. Bon, avec l'île aux enfants, il y avait Casimir. Dans le magasin, il y en avait partout. Et on se disait, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'était un grand succès. Et puis, il y avait un autre succès qui intéressait plus les garçons. C'était la boîte de cascadeurs. Il y avait deux voitures et on les lançait les l'une contre l'autre et elles explosaient. Donc on s'amusait à casser les voitures et reconstruire. Et tout le monde s'arrachait le produit. Il fallait en trouver. On se faisait copieusement engueuler parce qu'on n'arrivait pas à suivre. J'ai travaillé dans une société qui s'occupait des importations de jouets. Et j'étais émerveillé par le choix incroyable qu'il y avait, tout ce qu'on trouvait comme jouets dans le monde entier. Et comparativement, en France, l'offre qui était présentée aux consommateurs était très très pauvre. On pouvait voir très peu de ce qui existait. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire Pickwick. J'ai cherché un nom, et dans tous les noms qui me sont passés par la tête, il y a le nom Pickwick qui m'est arrivé. Un nom qui était facile à retenir, que les enfants pouvaient quasiment apprendre sans même savoir lire et écrire. Et c'est parti de là que j'ai imaginé Pickwick et son grand chapeau. Le chapeau qui était le chapeau de Monsieur Pickwick, j'en ai fait un chapeau de magicien. Je suis allé voir un ami peintre pour lui demander de m'aider à dessiner le logo de Pickwick. Il a réussi devant moi à dessiner un Pickwick en incorporant le chapeau entre Pick et Wick. Et c'est comme ça qu'on a vu arriver ce chapeau de Monsieur Pickwick en disant « Mais voilà, ça c'est le chapeau du magicien. » C'est rentré dans le logo. Et donc, quand on a construit le magasin, on a fait que l'entrée soit un grand chapeau qui fait 9 mètres de haut, donc plus haut que le bâtiment lui-même, et par lequel on rentre, je traverse le chapeau du magicien, et là, je rentre dans un monde où là, je peux oublier tous mes soucis, j'oublie toute notion de temps, je me promène et je m'amuse. On est parti avec une page blanche, parce que ce que je voulais faire n'existait pas. Les magasins qui existaient, c'était des bazars qui vendaient aussi des tas d'autres choses. Enfin, il y avait aussi quelques magasins spécialisés, mais ils étaient plutôt petits. Et donc, j'ai recruté une équipe autour de moi de jeunes qui n'étaient pas du métier. Et puis, je leur ai laissé une page blanche en donnant à chacun un territoire. D'abord, il fallait que tous les produits qu'on avait décidé de montrer puissent être touchés et essayés. Donc, dans l'ensemble du magasin, on avait installé des tablettes avec des vitrines de présentation de façon à ce que les gens puissent voir les produits. Dans certains cas, on organisait des ateliers pour qu'ils puissent pas seulement les voir et les toucher, mais qu'ils puissent les utiliser et les pratiquer. Donc, il y avait des espaces dans le magasin où les gens pouvaient s'inscrire et pratiquer. C'était un lieu de vie où les gens venaient et en même temps, ils échangeaient entre eux. Il y avait beaucoup d'échanges entre les clients eux-mêmes. Donc tout ça, ça crée de la vie et on organisait en permanence des ateliers différents. On faisait venir pour ça même des clients qui savaient faire et qui expliquaient aux autres, ou bien des professionnels quand c'était des techniques un peu plus pointues. Avec les enfants, on faisait des ateliers. On organisait les anniversaires et donc à l'occasion de l'anniversaire, on permettait à l'enfant de faire une réalisation d'activités créatives. Ils repartaient avec leur réalisation. On faisait bien sûr la fête de leur anniversaire. Et aussi, on leur faisait découvrir un jeu de société. Ils en parlaient autour d'eux. Un élément important du concept Pickwick, c'est le choix, l'offre produit, qui est très très vaste. Et il faut qu'il y en ait pour toutes les bourses, pour chaque catégorie de produits, qui est un prix accessible, un produit moyen de gamme,
et un produit de qualité, un top prix de qualité. Et donc, c'est le client qui fait son choix. On lui permet de voir les produits, de les toucher. Et bien sûr, on l'accompagne, on le conseille, mais il faut qu'il puisse découvrir les produits. Dans les années de démarrage de Pickwick, il y a eu l'arrivée de la planche à voile. On s'est mis à vendre des planches à voile. On avait passé des accords avec Bic, puisqu'à l'époque, Bic avait une planche à voile qui était la plus connue, la plus médiatique. On avait considéré que ça faisait partie de notre métier, donc on avait eu un grand succès à vendre des planches à voile. Dans les valeurs qui sont importantes chez Pickwick, il y a l'humour, le clin d'œil, avec les clients et avec l'équipe. Ensuite, c'est un travail d'équipe. C'est pas des individus, c'est une équipe et c'est comme ça que ça a toujours été. On n'est pas dans un monde ordinaire chez Pickwick. On peut s'amuser, on peut relativiser les choses. Dans le concept Pickwick, il y a un principe de base pour moi qui est très important, de pouvoir permettre à chacun, tous les partenaires de l'entreprise, d'innover en inventant des nouvelles choses, en faisant des tests. Donc, c'est une façon de les responsabiliser. Ils ont une idée, ils la réalisent et ils la testent. Et si c'est une bonne idée, après, elle peut être diffusée par les autres membres de l'équipe. Pickwick, au début, c'était un pionnier. Ce qu'on a fait, ce que j'ai fait avec mon équipe au départ, ça n'existait pas. Ça a étonné beaucoup de monde. Ça a été super. Il faut que ça continue. Il faut rester pionnier. Il faut être start-up en permanence. Et notre vocation, c'est très simple, permettre aux gens de découvrir leurs talents et les aider à grandir en se connaissant mieux. C'est une mission magnifique et enthousiasmante. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que les équipes aiment ce qu'elles font chez nous.